Salut les amis, c'est Guillaume. Bon, maintenant je me trouve à Yangon pour un événement un peu particulier, mais tout d'abord, je voulais vous montrer un truc. Lors de mon premier passage à Yangon, juste une journée, j'ai vu un truc assez incroyable. Regardez, ça vaut le détour. Bon les amis, dans ces moments un peu compliqués quand même pour l'humanité, je devais vous montrer quelque chose, donc une petite vidéo juste pour vous montrer que quand même c'est possible. Derrière moi, il y a une église. Là, juste derrière moi, il y a une stupa. Et derrière, on peut apercevoir le toit bleu, une mosquée. Et ouais, et tout ça dans juste à 50 mètres à peu près. Et le pire, c'est qu'entre la stupa et la mosquée, il y a un pont qui relie les deux pour pouvoir, bah, aller, si t'as envie d'aller faire un bisou à ton pote musulman ou l'inverse, et bah, tu peux y aller, quoi. Donc voilà, je pense que c'est, bah, ça montre que c'est possible et que ça sert un petit peu à rien tout ce qui se passe. Actuellement dans le monde, parce qu'ici bon, ils ont pas l'air de se foutre sur la gueule quoi, donc ça a l'air d'être plutôt sympatoche comme ambiance. Bon allez, je continue, ciao. Magie du montage, je me retrouve dans ma chambre d'hôtel. Vous voyez comme quoi hein, c'est bien possible hein, de vivre tous ensemble, hein, mais bon. Et justement la preuve en est, c'est que là je me trouve dans la chambre d'hôtel parce que dehors c'est le Xinjiang. C'est-à-dire que c'est le festival de l'eau en Birmanie, c'est le nouvel an birman. Et donc, bah, tu sors dans la rue, t'es trempé. T'es trempé, voilà, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je fais ma vidéo d'intro ici, parce que bah, je vais être trempé de la tête aux pieds pendant les 3 prochains jours. Vous allez voir, c'est un truc de fou furieux ce qui se passe dehors. Allez, je vous emmène voir tout ça. Ciao.